Ouais. Vas-y. Rajoute-en. Rajoute-en plein. Ouais, mets-en encore des boulettes. Là, là, comme ça, ouais. Mets les lasers aussi. Autour, là, encore. Bah, ça, non, ça fait pas beaucoup. Les guirlandes, d'accord. Oui, les guirlandes. Mets des guirlandes aussi autour. Voilà, mais remets des boulettes. Des boules? Des boulettes, c'est pareil. Voilà, tu en remets plein. Et en haut, dégage-moi cette étoile. Tu me mets un petit vaisseau en haut. Hey, salut les amis, c'est 19h. Oui, j'avais pas fait gaffe. Là, c'est la période de fête. Hein. Je suis super occupé à faire mes décos comme tout le monde. Et donc, on se retrouve pour un nouveau stream. Un nouveau stream de quoi? Je suis sûr que vous. Ah, vous l'avez déjà deviné. Ok. Bon, ben, on va envoyer ce shmup. Hein. On va pas attendre plus longtemps. Alors, à la régie, on me dit que c'est. Un shmup avec des gros arguments. Et ils sont poilés de rire, les mecs. Je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, effectivement. Ouh là là, il y a du gros argument, dites-moi. Mais quel est donc ce shmup? Un shmup de Psycho qui daterait de 1987 et qui répondrait aux douze sobriquets de Tengai? Bah, on y fonce, les amanches. Est-ce que je vous laisse la musique? Parce que si vous regardez le replay en août, ça risque d'être très très rigolo. Non, mais c'est de la musique de Noël, c'est parfaitement nié, on va s'en passer. Hop là, dégage. Oui, Monsieur K, toujours la cruauté à son paroxysme. Parce qu'il faut que. Et puis voilà. Pour la peine, je tousse. Va y arriver. Alors, Psycho est très très connu pour ses shoots verticaux, qui sont. Tantôt réussi, tantôt on se demande ce qui s'est passé, quoi. Et du coup, là, ils nous ont pendu un shmup horizontal. Effectivement, les gars, à la régie, je sais ce que vous avez voulu dire par les gros arguments. Maintenant, je comprends tout à fait, tout est clair, tout est limpide. Regardez-moi ces jolies petites feuilles qui volent. C'est un ami avant l'heure, quoi. Je suis tout. Mais je m'égare. Alors, nous avons nos persos à gauche. Nous avons les ennemis à droite. Nous avons les boulettes au milieu. Je vais en prendre quelques-unes pour mon arbre, d'ailleurs. Oh mon dieu, mais c'est bruyant tout ça. Donc toi t'attaques à sec comme ça, un b... Effectivement, il y a des boulettes dans ce jeu, je confirme. Je... Entre les crânes chauves et les colliers en chapelet, je pense qu'on n'a pas fini de rigoler. Oui, il rajoute des lasers encore. Non mais je parlais de l'arbre là, ok. Alors ça m'a l'air d'être un petit poil agité du bulbe, on va regarder ça ensemble tout de suite. Je ne vous cacherai pas, je suis très inquiet. Parce qu'il y a moyen que le stream soit assez pathétique. Mais bon, je ne désespère pas. On regarde encore cette démo, histoire de faire durer mon supplice moins longtemps. Plus de démos, c'est moins de gameplay, non? Comment ça, je fuis mes responsabilités. Écoutez, c'est pas vous qui avez les préparatifs de Noël à faire. Comment ça? Oui, si? Ah bon, ok. Allez, on y va. Peut-être t'en mettre encore. Non, c'est bloqué à 9, c'est dommage. Tu es chauve. T'as l'air pas sympa, toi, j'aime bien. Tout de suite, ils font sur le pas sympa. Alors, qu'est-ce qui est bon à savoir? Tir normal, bibi bibi bibi. Bonus à ramasser, normal, bibi bibi bibi. Tir chargé. Alors, il se charge assez vite et va y en avoir besoin, apparemment, parce que. Il n'hésite pas à me faire venir des fourbes dès le démarrage. Hein. Vous avez vu, lui, je lui ai rien demandé. On sait pas d'où il sort, s'il a payé le stationnement ou quoi que ce soit. Donc le mec, il arrive déjà, il fait. Oh, non, mais les boulettes, ici, c'est moi, tu vois, gars. Et mon tir, mettant du temps à se charger, j'ose pas le charger parce que je me fais un peu dessus. Oui, non, mais je le dis franchement. Et l'autre, il me tire son chapeau dans la gueule, quoi. Eh, papa! Fourbe, lâche! Bachibouzouk! Alors mon méga tir, je sais pas ce qu'il vaut, mais je le trouve minable, minable pas beau quoi. Et c'est plein de mini-boss. Alors du coup le jeu est très rigolo, parce qu'on n'a pas le temps de s'emmerder. On n'a pas deux sprites qui se ressemblent depuis le début du jeu. Oui, c'est ma phrase fétiche ça. Ils ne l'aiment pas, ça les énerve. Ce sont les boss. Je suis le... Ouh, je crois qu'il y a encore un morceau, dites-donc. Vous voulez cracher? Non, c'était pas offert avec bon cœur. C'est vous qui avez mis les sous dans la borne. Aïe, aïe, aïe. Il a eu mal. Je crois qu'il a eu mal. Hop, 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 hop. J'ai failli avoir mal, moi aussi. Hop, c'est pas fini. Non, 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 non. Non, 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 non.
Alors il est vif le bougre, hein, ça. Pff, moi j'étais pas en mood schmup là tout de suite. Je me lève. Mais bon, un café, on se brosse les dents, et tout de suite on va faire un schmup. C'est le programme de ma journée. Ouais. Ah j'ai merdé total, hein. Mais c'était pour voir comment je faisais pour merder un peu. Comment ça je suis médisant, je ne joue pas si bien que ça. Bah pop pof, méfiez-vous, j'ai peut-être des talons cachés et la modestie intense. Et oui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Comment ça, je simule totalement cet air détendu? Bon, pas du tout, alors détrompez-vous, parce que là, je suis à l'arrêt. Hop, petit slalom, dans sa quiche. L'autre, il a pas fait un pli. Dans ta quiche aussi. Ce fut un peu long, mais point de vue timing, je suis pas trop mauvais, là. Hop, 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 hop. Jésus va me faire le bordel là-haut là, c'est quoi? C'est je sais Bouddha, j'en sais rien. Pas le temps de voir. Je vous avoue que je suis en train de focus bah, sur les onomatopées de ce pauvre garçon qui ne m'impressionne pas du tout quoi et qui ferait mieux de faire de la boulangerie quoi ou alors je sais pas du modélisme. Ça va mal se passer dans pas longtemps je pense, dans 3, 2, 1. J'aurais dit plus tôt, moi, mais bon. L'espoir fait vivre. Alors, est-ce qu'il est bon pour aller au grenier, ce jeu? Pas du tout. Vous avez vu le stress qu'il vient de me foutre, en fait? Je suis parti, j'étais à 2 de tension. Là, je dois être pas mal 17-18, je pense. Donc, c'est... Mission accomplie. Non, 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 je le sens pas, ton truc. Ah bah oui, mais... Pff. Je peux pas m'occuper de tout le monde là, je découvre les patterns. Donc forcément. C'est un peu violent quand même pour un gars qui démarre comme moi. Hop 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 hop. J'ai enfin essayé cette super bombe, j'en suis très fier. Et il crevu. Donc mon pauvre Tengai, as-tu sélectionné parce que tu es parfaitement jouable. En plus t'es pas très vieux, 96 ça va. On a supporté des papis. Waouh! Super tir pour rien, bravo! Je vais le refaire, je pense. Non, je le sentais pas là. Vraiment. Mais même en assistant, quoi. Pop, 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 pop. Oui, petit moment d'affolement, ce sont des choses qui arrivent. Va falloir qu'on aille voir un petit peu plus loin quand même. Vous êtes comme moi, vous êtes curieux. Allez, deuxième crédit, on y va. Ah, mais si je me jette dessus devant au démarrage, ça va pas. Je nettoie un peu, c'est très sale, c'est encombré, ça ne me va pas. Je ne suis pas satisfait, je n'ai pas un méga tir qui couvre tout l'écran. Alors que je devrais l'avoir depuis le début. Je réclame à la régie. Laisse-moi ramasser ça. Alors, ils sont très rigolos ces boss parce que c'est comme le Cloug, il y a des couches. Alors le Cloug, oui bah t'es sur une chaîne Midlife Gamer donc t'es supposé quand même connaître. On va pas me la faire celle-là. Et quand bien même, le Cloug c'est une référence. Bah oui, à Sophia ils connaissent que ça, avec les doubichous. Et donc, du coup j'ai complètement zappé ce que je voulais dire. Bah, c'est ça de devoir entretenir les conneries. Oh putain, de devoir passer entre les batteries de boulettes. Ikikikiki. Oh que c'est moche. Oh que c'est laid. Trop d'énervement toi. Trop de chaleur dégage ton corps. Ça ne va pas du tout. Il y a encore un morceau. Non, c'est dommage. C'était bâclé ça. C'était moche. Vous ne regarderez pas ce replay. Pas les 30 dernières secondes. En tout cas, c'est berk. Alors, je m'étais égaré. On va revenir au jeu quand même. Est-ce que ce jeu est validé? Oh, oui. Parce que ce jeu est dans les tops. Alors, je suis pas très connaisseur des shmups verticaux, mais il pourrait, je pense. Hein. Parce que il me met un bordel depuis le démarrage, lui. Et en fait, ce dont je me plaignais au début en disant « Ouais, regarde, il y a déjà un boss différent et tout. Enfin... » Ouais, d'accord. T'as raison, man. Mais il va vite, le bougre. Et ce dont je me plaignais au début, bah, finalement, c'est bien intéressant, parce que du coup, on s'ennuie jamais. Enfin, on n'a jamais le temps. Puis on ne vous le laisse pas trop le temps apparemment. Aïe aïe gars, positionnement gars.
Alors, les bruitages, c'est quand même assez particulier. J'ai pas mis les retours à fond, mais je pense que vous devez rigoler. Bonjour, madame. Effectivement, c'est du gros, ce jeu. Je comprends mieux pourquoi on me l'a recommandé. Tout s'éclaire, tout devient limpide. Par contre, je commence à passer des crédits toutes les 2 minutes, c'est inquiétant, là. Alors, ce jeu ne serait-il pas... Serait-il pas horriblement dur? Je me pose la question, parce que là, c'est mon tout premier run, j'ai jamais touché ce titre. Par contre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce boss ou je radote. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Oh, la vitesse de tir, cochon. Ouais, c'est fait ça. C'est plus à faire. Et il se barre, le mec, tranquille. T'as pas été assez bon pour me mériter. Mais vous êtes combien, les gars, là? Hop, je sens que tu vas pas me vouloir du bien, toi. Oh, la bombe placée à la microseconde. Bibi bibi bibi. Ok, faut attendre qu'il baisse sa garde. Ouais, je suis pas arrivé, moi, mon gars. Hop là, maintenant. Il y avait une intention, il y avait un désir, il y avait un souhait. Après, de là, ce qu'il était accompli ou pas, ça, c'est une autre histoire. Hop là. Les tirs sont très très rapides. Un peu trop pour l'être humain de base, quoi. Tu peux pas analyser ce qu'il y a sur l'écran et commencer à improviser un bout de chemin dedans parce que c'est... Regardez-moi ce bordel. Les trucs, tu les laisses passer en plus, c'est bon, ils te tapissent l'écran. T'as besoin de refaire le papier peint, tu les invites, quoi. T'en as besoin de deux, hein, chez toi, tu peux faire 200 mètres carrés. Oh, les bouts. Non, 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 je vous laisse pas faire, les gars. Et votre pote, là, il est increvable. Non, je veux savoir. On va bomber, hein, histoire de savoir. Donc je pense qu'il sera pas dans les tops juste pour ça, c'est que niveau difficulté, il y a un petit problème. Soit les boulettes sont vraiment très très rapides, ou alors c'est moi qui suis très très vieux, mais ça c'est pas possible. Soit le jeu est programmé de manière assez rude et raide, qui fait que du coup il a vraiment cette difficulté qui... Moi je pense que c'est surtout la vitesse de déplacement des... boulettes. Parce que la vitesse de déplacement du vaisseau, elle est parfaite. Hein. Il y a moyen d'esquiver. Et ça part tellement vite qu'à la limite faudrait que le vaisseau utilisateur le vaisseau du joueur il bouge un peu plus vite, quoi. Oh, arrêtez là, je vais le massacrer, ce jeu, je crois. Alors pour la peine, vous irez voir un super play partout ailleurs où vous savez. Comme ça vous verrez quelqu'un qui joue qui va vous faire faire des grands ah waouh oh. Et en plus à la fin il vous expliquera que non. Il vous expliquera que en fait, il n'était pas en forme ce jour-là, il a fait que la moitié de son score habituel. Mais moi, non, non, je peux pas vous le faire voir plus loin. Il est validé, c'est un joli jeu, il est sympathique, il est agréable, il est très jouable encore. Maintenant, pour pouvoir vraiment jouer dessus, je pense qu'il faut le roder un petit peu, et c'est pas en 3 runs que vous allez vous le rentrer dans les pattes. Soyons tout à fait honnêtes. Donc voilà pour Tengai, qui était le jeu du jour, avec des énormes arguments, comme on les adore. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ma soucoupe volante pour prévenir quand même qu'on était dans un TBG spécial shmup. C'est les fêtes, ça. Quoi? Il reste encore des boulettes? Ben, je vais aller les mettre tout de suite, je suis trop impatient. Je vous laisse avec les deux streams habituels, moi j'y vais parce que je finis la déco à demain 19h, ciao!